Ecclestone évoque Mick Schumacher. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré, Bernie? Donc, il pilotera chez Alpine en hypercar l'année prochaine. Alors, Ecclestone déclare: si Schumacher avait piloté chez Red Bull, il serait aujourd'hui actif au sommet du sport automobile. Il aurait été mieux compris chez Red Bull, par exemple, où il l'aurait aidé et coaché jusqu'au sommet. Il doit se battre, il doit persévérer et montrer qu'il est encore capable de bonnes performances. Dans le meilleur des cas, les gens le verront et diront: nous avons besoin de lui, et non l'inverse, qu'il cherche quelqu'un à engager à cause de son nom. Il doit oublier son nom et se développer en tant que personne. C'est probablement la seule et la meilleure chose qu'il puisse faire en ce moment, de signer en WEC donc. Bah, au moins, il roulera quelque part, il aura une année 2024 occupée. Donc, à lui de montrer qu'il est encore capable d'être en F1, quoi, tout simplement. Mais encore une fois, les places sont tellement chères en F1 que je doute honnêtement qu'il revienne un jour. Hein. Alors, peut-être chez Audi, ça serait vraiment son seul espoir, hein, en 2026, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez?